Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Une nouvelle semaine que nous commençons, en tout cas nous les commençons avec une très très grande joie où nous sommes très ravis de vous qui nous rejoignez d'abord et que je vous dis merci de nous avoir choisis. Vous êtes là peut-être pour la première fois aussi. Il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints et se sont abonnés la semaine passée. Donc, je suis très content de ça. Mais nous ne sommes pas encore au niveau à laquelle où nous sommes. Nous voulons être. Nous voulons être un média d'élite. Et puis l'élite, nous voulons l'agrandir. Nous ne voulons pas rester à ce que dans un cercle fermé. Nous voulons vraiment à ce que nous puissions nous expandre. Et ça montre que notre message qui est nous donnons est en train d'arriver dans les oreilles des décideurs. Alors, nous allons parler aujourd'hui de quoi? Du changement de la Constitution. Le changement de la Constitution, les gens en parlent déjà à cause de ce que nous avions entamé aujourd'hui, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et nous avons l'écho qu'à Kinshasa, il y a déjà des murmures, les gens commencent à se dire non, il y a changement, il y a modification, il y a tout ça. Nous allons voir tout ça dans le contexte actuel. Pourquoi est-ce que nous devons absolument changer cette constitution? Parce que nous ne devons pas entamer le projet, par exemple, de 145 territoires. Dans ce contexte actuel, ça ne peut pas marcher. Nous voulons inclure la population dans la gestion du pays. Mais dans le contexte actuel, avec la constitution que nous avons actuellement, c'est un peu difficile, ça ne se fera pas, nous ne ferons que de la démagogie et tout ça. Alors, dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble, qu'est-ce qui fait casser qu'il y a des gens qui sont effrayés, disons, qui ne sont pas d'accord à ce que nous puissions changer cette constitution. Et pourquoi ? Beaucoup de gens veulent à ce que les élections arrivent, qu'on fasse les élections. Mais depuis 2006, ces élections nous ont apporté quoi? Qu'est-ce que ces élections nous ont apporté? Qu'est-ce que nous avons... Toutes ces questions-là, nous nous sommes dit, ici à Contact Pro Live, réfléchissons pour que nous puissions trouver une solution qui permettra à notre pays peut-être aller avec ça jusqu'à 50 ans, même après 1000 ans. Mettre des garde-fous pour un nouveau Congo dans lequel il fera bon vivre, dans lequel il n'y aura pas de guerre, dans lequel où tout le monde sera impliqué et nos enfants qui viendront aimeront eux aussi apporter une pierre à la construction de cet État, au renforcement de pouvoir à la base de cet État pour que les choses qui se sont passées ne puissent plus se répéter. Nous ne voulons plus la dictature, mes chers amis. Nous ne voulons plus à ce qu'une classe de société puisse prendre les choses comme si ce pays appartient à quelqu'un ou bien à un groupe de gens. C'est là où nous voulons à ce que ce pays puisse y aller. Maintenant, nous devons prendre cette décision aujourd'hui. Donc, c'est ainsi que nous avions commencé depuis à peu près trois ans aujourd'hui. Nous parlons du rétrocession du pouvoir à la base. Donc, dans cette constitution et dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons parler du changement de la constitution et les conséquences de ce changement de la constitution et le pourquoi. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Diplomatie, la sévère mise en garde de Félix Tshisekedi aux ambassadeurs. Et puis RDC toujours, menace armée dans le Grand Lac, Félix Tshisekedi recadre Paul Kagame. On va sur actualité.cd. Sud Kivu, 4 creuseurs artisanaux sont morts asphyxiés dans un carré minier à Missisi. ADF Ituri, nouvelle attaque en Dalia. Dimanche, au moins 12 morts, à moins de deux semaines dans le même village. Évasion massive à la prison d'Ilebo. Ça, nous sommes au Kasaï. Congo profond, Pétain Tic, Augustin Kibasa Maliba au Congrès mondial de mobile de la CGMSA qui s'ouvre ce lundi 28 février à Barcelone. Fachi à la 12e conférence diplomatique s'est servi à ne jamais trahir le Congo.
7/7, Félix Tshisekedi lance les travaux de la 12e conférence diplomatique en RDC. Et puis, Kinshasa, le député national Bruno Kabangu, élu de l'IDPS, tabassé par les militants de l'ICIDE pour avoir porté un t-shirt avec effigie des chefs de l'État. On va terminer par Radio Okapi. 4 morts lors d'une attaque d'ADF Andalia et puis Kinshasa, 20 morts dans un incendie d'une baleinière à Maluku. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, d'abord, l'importance ou le pourquoi du changement de la Constitution. Dans cette première partie, donc, où nous parlons des changements de la Constitution, nous avons une difficulté ici en République démocratique du Congo où l'application des textes est difficile. Bandeko. Ce qui est total, configuration d'abord est en bon cannabis. Nous étions en train de tâtonner sur le mode de la gestion de notre pays. Notre pays, en arrivant à l'indépendance, il y avait une certaine libertissime, donc une certaine liberté que l'indépendance devrait apporter. Mais tout ça, là, il a fallu qu'il y ait des partis politiques. Nous avons vécu 5 ans, Batouaza, qu'on s'est recherché, Batalaboué, Batoumsous, Balobité, Batouarti politique, et Zokenenandenga. Tribalisme et tout ça. Je crois que nous ne pouvons pas rentrer dans l'histoire en nous disant que non, nous avons failli ou quoi que ce soit. Tout ça, nous savons que Ezali Makambouya, généalogie, lorsque le pays se cherche, Ezali Akandengwana. Tosilisi na elokwana, ya nanwana ba guerre kotaki, onye yaki, finalement, Mobutu a ekonani kozoa bokonzi par un coup d'état, tout ça. Et puis, il a géré le pays pendant 32 ans dans un monopartisme, donc un parti unique et tout ça. Et Zalaki n'angona ba bienfait n'angona ba nan stabilité amboke koma ki parce que nous avions un homme fort avec une vision, avec toute l'armée, il a réconcilié tout le monde, il a mis un plan en place où que batunyo surtout bazala na liboke moko. Mais ça ne pouvait pas arriver donc et koma nanani n'ango parce que l'homme passera, c'est ça que nous sommes en train de dire. L'homme passera, nous ne pouvons pas commencer à continuer à dire que non, mutumoko boya ko utawa pia ko ya ko sale loko moko boye pona mboka e bonga. L'homme ne peut pas avoir la magie de diriger tout le monde, de mettre tout le monde sur et si tangwana si le kakala. Tangwana soki mutumoko ayebo a s'imposer à l'obingande na mutuna ko sala boye c'est de la dictature. N'envions pas ce qui se passe au Rwanda parce que mutwana tangwa ko kufa. Rwanda lisusu ekoluka mutumoko dictateur moko atia en place po atia. Et puis cycle ko continue ka bozoluka ta musu mutwango pe boko mona ka ete parce que l'homme peut-être o ya ko kufa a kozala lisusu na charisme wana te ya ko terroriser batu. C'est comme ça que nous nous sommes dit, bah institution de photo, to l'exaliboso. Na bamboka nyoso tozali nango, o to kenda, ou bien bamboka, o ezako tozomo na ya poto, bamboka nyoso, o États-Unis, o l'Amérique, ou bien le Canada, ou bien Nouvelle-Zélande, tout ça. Bamboka wana ezo réussir parce qu'ils ont mis une certaine nani yakobi misaba institution na bango liboso bakotia mibeko nde mtu mibeko etindika batu nyoso tuba adere na mibeko mtu akoki kokufa me ba institution kokufa kate mais lelo biso toza na Congo lelo notre problème c'est que bota la bino moko ata kote ya ba parti politique ce sont que des hommes ba parti politique ona batu nyoso bazo se liguer autour de ces hommes là pour que ba envahir ba conquérir pouvoir. Or, la définition parti politique est falaise à la bonne côté. Donc, nous, présentement, biso tozo kanisa ke non, mutu moko boye akouta soki wapi, ne mutu akoya ko bongisa Congo, ye ne mutu akoya ko sala boloko boyete. Différence tozo lobanango, ezali ke totia ba institution na biso en place, o ba institution, batu na batu bakumbanda koya ko sala. Batwa mutu akosala musala ayebi ayekosala musala nini ayebi ba limit na ayebi place nini akokwea mbeba soki akwea mbeba institution mususu mutu te azala au-dessus ya batu mususu te. Même le président de la République doit être considéré comme un employé de l'État.
Mais biso to koma comme na président de la République comme yende mokonzi tout. Le nom du président de la République est cité dans les localités, dans les quartiers Tshisekedi a sali eloko mokote. Ba mona kata chef du quartier te. Ba balaba les okomba mate za président de la République. Et c'est ça le pourquoi autozo lo bakeno changement à constitution il faut intervenir parce que na ndenge ya constitution aliasika. Oh, basala qui na Sand City, même la constitution à 2000, parce que tu as à peu près na 4 constitutions, tout consacre pouvoir na maboko ya mutu moko. Et puis les institutions, ba définition ya batu, eza définité. C'est ça le que nous sommes, changement na biso. Pour que mboka na biso ezwa changement, nous devons d'abord retravailler cette constitution. Qu'on retravaille constitution, en eza te ke batu moko bo eba kende ko vanda. Comme ça s'est fait ici en Afrique du Sud, le bité mboka eza kokobeba tout ça ba bengi ba journaliste ba banani oboya kokutana awa, ils étaient je crois à peu près 300 personnes ici oboya kawa en Afrique du Sud oboya kokutana ono ba to solola. Non, ce n'est pas comme ça que nous envisageons la reconstitution ou bien retouche ou bien changement à constitution. Nous sommes dit ceci, nous devons programmer ça toloba ki boye. Na opi tozo continuer ko soutenir eza boye. Constitution ya sika, il faut to koma yango biso moko ba congolais. Toko koma yango ndenge nini? Toko koma yango a convoquer les états de liés de territoire parce que congolais nyoso il faut ala impliquer na écriture ya constitution wana nyoso. Biso toloba ki place ya ko bandela eza ba convocation ya ba état de liés de territoire place nini batu ba kovanda na kati ya ba territoire ba koyebana batu na kati ya ba territoire ba yebani na kati ya ba territoire toyebi ba notable na biso to zayebi ba intellectuel na biso toyebi batu nini nyoso bazali epa na biso toyebi toyebani batu wana dans chaque territoire on peut prendre 300 ou 250 personnes. Ba vandi esika moko na chaque territoire. Na ba ville, il y a moyen. Parce que nous sommes dit, il y a des agglomérations dans les villes où on peut dire, bon, ba ville, eza, ba ville, ya banani. Eza divisé. Il y a moyen de le faire. Dans notre projet, nous surtout, eza écrit. Eza bien détaillé comment ça va se faire. Awa na contact pro live na lingakaka na promis na za ko pousser idée wana. Mais les gens qui m'appellent en particulier surtout ba to baza na côté au pouvoir o ba benga kinga pona j'ai expliqué mais je ne peux pas les envoyer ba matière na bango na biso nyoso tout parce que ce n'est pas moi je ne suis pas l'auteur de ce projet ici. Nga na za parmi les auteurs. Alors, batou, nenge ba yebani na ba territoire. Pourquoi les territoires? Pourquoi les 145 territoires? Bandeko, to bouge li sou soute makambo ba zolo ba. Oh non, to zonga nan ou na 7 provinces ou bien soki na 11 provinces. Te, disposition o to zan ango ya 26 provinces avec 145 territoires. Eza malamu, parce que eza ko envoye batou na ba circonscription a mike. Oh, batou ba oki ko zwa consensus. Oh, eko ki pe ko permettre moutou nyon son akati a territoire a participe na ba conférence wana na ba état de lieu wana. Batouba na batouba ko participe, bako ye bake non. Na état de lieu, oh, yo toko salani, toko réfléchir sur la sécurité, toko réfléchir sur l'identification. Ba matière, oh, nyon so constitution na biso ezali na ango na kati awa. Nous allons réfléchir en donnant justement, ya ko réfléchir à koloba, toko pe sa pouvoir mingi na ba territoire na biso. Et c'est par là où nous devons commencer. Dans le territoire, on attend que tu sois, par exemple, en assemblée territoriale, si tu as 60 membres, tu as 20 membres, tu indiques dans la province. Chaque territoire est indiqué dans la province. Province, si tu as 60 ou bien 80 membres, tu as 20 membres, tu as indiqué dans l'Assemblée nationale. Et dans l'Assemblée nationale, on a dit que tu as dit que tu as dans chaque échelon, tu as une compilation de textes. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Nous supportons le président de la République actuelle. Félix Tozo supporte ce qui a eu l'idée wana ya koloba. Changeons la constitution afin que tout résoudre une fois pour toutes problème en Mboka. Bandeko, na ba territoire to ko zo ba mesure et puis to ko za la capable à ko contrôler en mutu so ki aibi na territoire to za capable à ko contrôler ko ba mutu ya ko sala boy. Voici les schémas ba voici ba procédure to ko landa na kati ya province administration na biso e vandi
province ko vandama bien parce que to ko yeba ndenge nini province ko salema na ndenge na ba territoire ba territoire ba kozala ba le premier responsable. C'est là où nous pouvons dire que nos assemblées territoriales qu'on appelle moi ma casse mingi na ba assemblée provinciale pe na ba assemblée nationale mais et qu'on a toujours na ba échelon o ya koloba keno misala ezo salema na territoire voici photo sala yango ningo o ya province voici ba tout se réfléchir dans le projet bandeko ce n'est pas à chercher loin ou quoi que ce soit. Alors Batouba lobby sous question moko balobi ono toko bandela à zéro tout ça effectivement nous devons recommencer à zéro na ndenge mboka o ezali moyen to sala autrement ça ata to kangi 1000 personnes regarde comment nous sommes en train de s'embrouiller avec l'histoire de IGF toza ko s'embrouiller toza ko patauger penza que non uzumona ka ke mboka zo kende malamu te o to o ba ko kanga boy o corruption ko si la kate tant que tozaka kana kati ya système o ya bato o ya des hommes forts bozoyoka avec l'histoire à 145 territoires c'est le projet ko zongi sa pouvoir na base bamba tu ba kozala susu troisième point bato bazobanga o Kabila ko zonga na pouvoir qu'est-ce que représente Kabila ko représenter nani Kabila ne fera absolument vous avez peur à ce que Kabila reviendra, vous êtes en train de vous faire tort. Lorsque nous mettrons une nouvelle constitution, Kabila a la voter, mais il y aura un certain autre mécanisme. Il y a Koloba que non. Kabila a causé la soulier un pouvoir. La présidence de la République n'aura plus ce pouvoir qu'il a maintenant. À cause de la sous pouvoir on a donc cette peur bleue à Kolobake no tozo banga que Kabila zonga ceux qui tozonga ici à zéro ils ont se justifier na ngoli sous souté à moins que Kabila zonga na système o abanda koya vraiment totalement banani na bango ba assise na bango ba pour être de la constitution à sikande koza la base o ya koza la koloba ke non constitution à sikande pesi droit na nani nda kosa la nini qui fera quoi ba les ministres seront nommés comment ba ministère koza la tenir comment combien gouvernement koza la na batu combien likambo koza la na pléthore ba 60 ministres wana esili
Nous pouvons avoir un cabinet, un chef de l'État, disons, le gouvernement central, on a 20 ministres. Parce que misala nyoso et que vous déjà que ça ma déjà na base. Tout nyoso déjà na ba territoire na ba province kunande musala ezali. Mais aujourd'hui avec le système actuel misala nyoso tout ezana na Kinshasa. Tout le monde dans le territoire rêve d'aller à Kinshasa. Mais maintenant dans la 4e République, nous allons faire à ce que les gens puissent se battre à aller travailler dans les territoires là-bas, ba assemblée territoriale, ba assemblée provinciale. Et c'est là parce que chaque territoire aura ses budgets selon son économie, selon ba musala na azo sala. Ba contrôle na kati ya ba territoire et kozala autonome, ça ne sera pas ce que non mutu bakangie na territoire abenya ke ndozala juger na Kinshasa. Non. C'est ça qui est mal aujourd'hui. Bato baza ko sala ba mbemba dans ba territoire ba kuzui bango ba ke bango na Kinshasa. Non. Le gouvernement central aura ses prérogatives, mais mutu soka sala mbemba na province. Ezate kya ke ndozala juger na province. Les cours constitutionnels, ba cours de compte ba et ça la kamusala nini et l'autre côté. Mais ces cours là auront leur valeur na kati ya ba territoire parce que ba cours de compte ba contrôle ba budget ba biloko nyonso tout et ko ndo sala makana na ba territoire kuna. Voilà un peu ce que nous avions décrit. Pourquoi est-ce que nous devons changer cette constitution? Donc, il y a une 4e République avec cette même constitution ici. Constitution, c'est que Fouzala écrit avec par les Congolais, pour les Congolais. Nandenge nini, na kosala appel, yaba état de lieu, yaba territoire, ou eko s'en charger, na renouveler classe politique, na kotia ba disposition, ou tokokota nango na 4e République. Lobby na ko expliquer comment est-ce que nous pouvons supporter le président de la République. Yango na za ko benga batu, partager nos émissions. Déjà, nous yako changer ou bien ko modifier constitution et comme na Kinshasa. Pourquoi? Parce que ils ont vu que l'implémentation de ce projet de 145 territoires ne peut pas être faite dans cette paradigme d'aujourd'hui. Il faut un paradigme autoko inclure batuna katia gestion mboka. Voilà. Merci beaucoup. Il y a aussi des gens qui m'ont dit que non likamuna biso oyo ya nani ya PayPal na biso ezomona na bien tena écran. Je vais essayer un peu d'agrandir, mais merci en tout cas déjà pour que ba réaction eza ebele batu susu batuni. Pourquoi est-ce que na tiango mu qu'est-ce que nazo banga batu ba supporter nga financièrement? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, Bandeko. Nous sommes en train d'apporter une pierre. Soko moni ke kokiko supporter financièrement, tu peux le faire. Na koboya te, nganaza koboya te, je ne peux pas me suffire moi-même. Équipe Obato Bazo travaille sur le projet de 145 territoires. Nous le faisons gratuitement. Ce n'est pas que ata soki muto asombeli biso sikrende to koboya te. Na komeka c'est un peu agrandir ango comme ça, bozala. Beaucoup vous visitez PayPal, vous pouvez envoyer n'importe quoi au quotidien, n'importe quel montant on a et problème exacté. Nous ne sommes pas exigeants sur votre contribution financière sur notre travail que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.